On est de retour et c'est une exhibition très particulière qui va se dérouler dans quelques instants. C'est bien sûr sur le jeu Mark of the Wolf, dont on entend la petite musique en fond, que je n'entends pas. Donc ça sera sur Mark of the Wolf, mais ce n'est pas n'importe quel Mark of the Wolf. C'est une version qui arrive bientôt chez Pixel Game et tu vas nous expliquer un peu de quoi il s'agit. C'est Pixel Love, mais pas tout à fait. Et c'est une version exceptionnelle qui va débarquer dans un collector genre en shopbox. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Ah oui, c'était sérieux, ça. On va la refaire. Mesdames et messieurs, wow. Bonsoir. Merci, c'est le minimum quand même. Donc, Pixel Love, tout le monde connaît, c'est avant tout des ouvrages. Mais au début, Pixel Love, c'était un rêve de gosse. C'était faire des jeux. Rigolez pas. En Europe, c'était de la science-fiction. On a commencé à faire des ouvrages. On a monté. On a soufflé nos 10 ans. On a raté la grosse fête. Bon, ne t'inquiétez pas, on fera ça pour les 18 ans pour la majorité. Et enfin, le rêve devient réalité. On fait Pixel Love Games. C'est beau. Donc, on a une chance extraordinaire. C'est que, un, on adore SNK. Et surtout, SNK nous adore. Dans le sens. C'est plutôt bien parti. C'est très bien parti. Donc, là, il y a Garou Mark of the Wolf, un jeu que j'adore en plus, qui va bientôt il sortir. Il sort donc bientôt. Très bientôt. Alors, dans quelle édition? Alors, il y aura forcément édition classique. Et malheureusement, heureusement, Pixel Love, on aime les belles choses. Donc, il y aura en version Shockbox. Donc, pour vous, néophytes, Shockbox, c'est forcément les grosses boîtes Neo Geo. Mais pour la plupart des gens, Shockbox, ils croient que c'est un truc à goûter. Non. C'est les fameuses boîtes Neo Geo qui étaient fantastiques, qui prennent une place, qui ne bougent pas. On fait vraiment des très beaux produits. On est vraiment passionnés. Enfin, tout le monde commence à me connaître un peu. Et donc, ça arrive quand, cette version Shockbox, notamment de Mark of the Wolf? Mark of the Wolf, si ma mémoire est bonne, elle arrive fin septembre. Septembre, et on verra après pour l'exhibition Samouraï, on te retrouvera. Et en tout cas, Ken, c'est vrai de ce côté. Ken, cette version de Mark of, toi qui es un grand spécialiste du jeu, tu en penses quoi de cette version PlayStation 4? C'est une version pas mal, les timings sont un poil différents, je pense qu'ils l'ont adapté pour que ce soit jouable un peu online. Moi ça me dérange pas, Markov j'ai appris à m'adapter à tous les timings, j'ai commencé sur la version Dreamcast qui avait des timings aussi totalement différents avec la version Neo Geo, donc je sais m'adapter normalement. Et ben en tout cas Ken tu vas jouer, c'est un first one, on est au Tougeki les amis, puisqu'on a 5 minutes. FT1 contre Kensu, le champion d'Europe de KOF 98, et le vainqueur affrontera Kiji, le champion. Du jeu qui est là, voilà. Tout simplement, c'est FT1, on est parti tout de suite, bonne on envoie chance. Du son. Et là, c'est sur PlayStation 4, ça sort chez Pixel Games en version collector à la fin du mois. C'est et dans quelques instants, vous pourrez déjà jouer au Samurai Shodown Neo Collection qui, lui, est déjà disponible. On est parti, on met le son. On balance le son notamment dans la salle, parce qu'on n'entend rien. Merci beaucoup. Et le Tizoc de le Taizoku, voilà de Ken Bogard. Alors pour l'instant évidemment avec Kensu qui joue avec Kim, un perso qui est quand même très très joué, mais Ken Bogard qui a fait tourner du monde au HFS Summer, qui est quand même un très très grand joueur de Markov, voilà avec le Just Defend Justice Taihen qui permet au Tizoc, qui était un perso dans le score 2003, faut pas toujours suivre Tizoc, et Ken Bogard qui est très très bon joueur, encore Just Defend. Et Kensu qui est là, qui cherche à se défendre, qui essaye de revenir, mais pour l'instant, Ken Bogard, évidemment, le commentateur, l'homme, ça, c'est fait. Le spécialiste de Markov, de Fatal Fury spécial et un peu de 2X. Il montre tout son talent dans cette partie. Voilà. Là, c'est parti. Justice indienne, le Taizok, c'est bien joué, le Just Defend, évidemment, puni tout de suite par le 3-6. Ça va être très très compliqué, hein, j'ai l'impression quand même, pour Kensu. Oh là là, bien joué, voilà, allez, le flash kick de Kensu pour s'en sortir, Just Defend dans les airs. Et là, ça c'est dans la garde, et c'est mal puni par Ken Bogard qui a totalement raté son timing de 3-6, je pense. Mais il a la paix super, et je pense qu'il veut le tuer avec la max. Pour l'instant, ça m'invite en FTR à Kensu qui fait ce qu'il peut, mais Ken Bogard, je l'avais dit, c'est quand même le daron du game qui est en train de prendre cher. Il veut le tuer avec la max. Et il le tuera avec un simple 3-6 en fait. Allez, tout de suite, Kensu qui va nous quitter, on peut l'applaudir, c'est l'exhibition en mode turbo. Et voilà Kiji, celui qui gagne, remporte un lot exceptionnel, c'est le plaisir de l'avoir remporté. C'est une exhibition après tout. FT1, c'est la finale de Mark of the Wolf, PlayStation 4. Taizok, et cette fois-ci, c'est... Attention. Parce que il rigole pas du tout. Kiji, ça rate la super. Effectivement, je passe. Je pense que ça a raté, oui.
En tout cas, pour l'instant, c'est parti. C'est quoi qu'il arrive, c'est la finale CFT1. C'est l'exhibition la plus speedrun de l'histoire des exhibitions. Le top in qui a été pris direct d'entrée par Ken Bogard pour avoir tout de suite la max, comme on dit. Voilà, ça c'est très bien joué. Ah, il a pris le Kevin Ryan qui a des combos monstrueux parce que dans le combo, dans le jeu, Kevin Ryan qui peut effectivement cancel une sorte de coup de genou. Voilà, ça, le Rolento, il peut le cancel et ça peut faire des combos monstrueux dans le coin. Il est complètement là, Kiji, pour l'instant qui prend l'avantage sur Ken Bogard. Ken Bogard qui revient bien, Ken Bogard qui a cancel, Ken Bogard, c'est le coup de bec qui passe dans le vent. Coup de bec. Kiji qui cherche à le mettre dans le coin pour aller faire le Rolento cancel, complètement pété. Le 3-6 qui passe, bien joué Ken Bogard. Wouah, Kiji la bête. Il fait la max dans le coup de... Le coup de bec benzen. Et Ken Bogard en difficulté, Kiji la bête, qui représente la team Guac, qui a perdu à Neo Cup, mais qui pourrait remporter le titre à Markov The Wolves. Pour l'instant, ça va être compliqué parce que Ken Bogard, il est quand même là. Ça rate un petit peu. Pour l'instant, mais quelle gestion de Kiji! Quelle gestion de Kiji! Et qui prend un coup. Voilà, ça c'est fait. Mais pour l'instant, ça joue quand même très très bien. Rolento, c'est tellement safe, c'est tellement bien. Il est quand même fort, hein, Kevin Ryan, quand même bien joué. Kiji, qui pour l'instant est quand même en train d'en donner très très cher à Ken Bogard, qui était pourtant bien parti dans le premier match. Justice indienne! Et voilà, ça va peut-être pouvoir. Allez, la super! Et Ken Bogard qui s'incline. Et Kiji, dommage. Qui garde le titre pour la team Bois, qui le ramène. Kiji, voilà, Ken, c'était dur. Ce match était en AFT1, c'est la vie. Hein. J'ai raté. Hein. Si le 700 était passé à la place du 360, c'était bon. Mais bon. Ouais, mais c'est pas passé. Exactement. Voilà. J'allais pas Kiji. Mourir sans son pif. C'est exactement. José Kiji, il me bat toujours. Ah, on peut applaudir Kiji et Ken Bogard. C'était une très belle exhibition. Et tout de suite, en express, on accueille Samy, SS7 et Oro. Oui, maintenant. Oui. Bonne chance. Vous. Alors, ce qui aurait été sympa, c'est de laisser le stick. Un Ken. Le stick. Bon. Non. Non. Monsieur non. Bogard, le stick, non. S'il vous plaît. C'est bon, vous avez un stick, les gars? Non. Non. Bon, non. Dame Ned. Tu joues avec quoi, Oro? Mais tu n'en as pas. Ken, tu peux prêter ton stick à Oro? Le stick de Tonton est là. Il va jouer avec le stick de Tonton. Allez, Oro qui va s'installer. Player 1, il va jouer avec le stick de Tonton. Alors, c'est un défi sur Samurai Shodown Collection. Et c'est extraordinaire parce que finalement tu vas nous en parler. On retrouve les Samurai 1 à Samurai Shodown 5 spécial, qui est un très bon jeu, toujours très dosé au Japon. Mais il y a surtout Samurai Shodown Perfect, qui est un inédit. Comment est-ce que c'est possible? Comment résumer celui-là? Alors, je vais pas dire que c'est le rêve de gosse, que ce serait me répéter. On a vraiment matché avec SNK Osaka, qui est la maison mère. Je crois que Ben veut dire un mot, ton collègue. Ah bah oui, il sera mille fois mieux que moi. Merci Ben. Attends, juste avant, Samy, Oro, vous voulez jouer à quel jeu? Vous pouvez décider le jeu de la collection que vous préférez. Il décide Samurai Shodown 4, un jeu de 96, toujours très abordable, très bon. En CD, en AES, en MVS, et évidemment il est sur la collection. Mais Ben va venir nous parler de l'incroyable Samurai Shodown Perfect. Merci à toi de toutes ces explications. Merci à Pix & Game, Pix & Love d'exister. Et Ben va venir un peu nous expliquer la vie. Oro, tu dois te mettre P1. Hein. Tu t'aimes. Merci Nico aussi. Je sais. Balance. Alors Oro, il amène son stick, il s'assoit, il fait ça marche pas et je suis pas branché. Là, tu dois être P2 en fait. On est parti sur Samurai 4. C'est quoi le bouton start? Quelqu'un peut faire ça? Non, ce n'est pas ça. Non. Alors, quel est le bouton start dans Samurai Shodown Collection si ce n'est pas le bouton start? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Hors ligne. Ok. Alors, parle-nous, j'attends des explications de Samurai Shodown Perfect. J'en sais rien. J'en sais rien. Non, je plaisante. Non, Samurai Shodown Perfect, c'était effectivement
une version avec qui reprend Samurai 5 spécial et qui doit justement Je t'en prie, effectivement, PS4, c'était une version qui corrigeait des bugs, qui apportait un mode scénario qui est quoi à Samurai 5 spécial et qui a été testé en lock test, en essai en arcade, seulement une journée. Hein. Ouais. Il te reste 0 secondes, donc on recommence après pour l'explication. D'accord. Ah non, c'est bon, tu peux y aller. Ouais. Donc en fait, c'était une version améliorée de Samurai 5. Spécial où ils ont rajouté un peu un mode scénario parce que pour expliquer certaines choses, ils ont refait la balance sur certains combats pour les joueurs qui jouent de façon pro, on va dire, au jeu. Et il a été testé en salle de jeu, mais il est resté une journée en test. Ouais. Et SNK a pas voulu continuer le test sur ce jeu-là ni le sortir. Et finalement, il est resté pendant des années. Chez le producteur du jeu, si je dis pas de bêtises, et lors de du projet de la compilation, il y a un an et demi, je crois un peu plus, ils ont commencé à interviewer, comme on peut voir dans le Mode Museum, il y a plein d'interviews. Ils ont interviewé donc le réalisateur du jeu, Samurai 5 spécial, qui avait encore la version perfecte, enfin celle qu'on appelle perfecte. Wow. Il avait encore ça, et donc il a dit ah, je vais regarder et tout. Et c'est comme ça en fait qu'ils ont pu mettre la main sur ce jeu qui est officiellement plus ou moins le dernier jeu Neo Geo MVS, et ils ont profité de l'occasion pour l'inclure dans la compilation, quoi. Eh ben, merci Ben. Ouais. Je rappelle, hein, Pix & Game, un des meilleurs, une compilation assez incroyable. Au-delà des jeux, il y a des documents de production du jeu qui sont juste extraordinaires. Super édition du jeu. Ouais, nous avons, c'est des jeux extraordinaires à la base. Là, on va jouer au 4. C'est du FT1, les gars. Hein. Ça rigole zéro. FT1. On est parti. Oro contre Samy. C'est peut-être encore la revanche du Quack qui a pris ce qu'il fallait. Et voilà, et évidemment, avec... avec le Amakusa qui est joué par Oro contre le Ukyo. Je savais pas qu'il joue Ukyo en boss, Samy. C'est quoi cette histoire? Ah, le Amakusa d'Oro qui a gagné, attention, il avait gagné un tournoi à Cannes, un tournoi européen important, et Samy également, il avait gagné à Jela. C'est donc deux joueurs de très haut niveau qui s'affrontent. Voilà, alors vous pouvez faire AB avant hein, pour passer dans le dos à Jela. Nikyo qui est un personnage très très fort, regarde, avec le combo, c'est le target combo dans Samurai. Le passage dans le dos, c'est très bien bloqué par Samy. Mais attention, hein, parce que le Amakusa d'Oro, il est complètement là. Et voilà, pour l'instant, Oro qui est en train de montrer que le Guac peut battre le dojo quand on choisit le jeu. Non, Samy qui revient, il est en power, il est coup. Non, c'est en power, c'est Oro qui est en power. Il peut faire très mal sur la moindre de ses touches, surtout sur certains coups spéciaux qui sont améliorés en pot. Samurai, c'est un jeu extraordinaire, Samurai 4, et qui est vraiment pas cher. Le target combo, il va faire la max et ça va le désarmer, ça tue. SS7, Samy, le dojo, le comeback. Oro qui était vraiment pas loin, mais qui maîtrise mal peut-être le target combo AD, enfin le truc là. C'est cette séquence. Ouais, c'est bien joué, Oro qui est en pot. Hein. Regarde, en pot, ça peut faire tellement mal, regarde. Les dégâts, la boule qui est trouvée, Oro. Et ça touche en plus, encore en mythi. Oro qui prend un énorme avantage dans ce round, ça va peut-être finir un round partout. Voilà, la boule de Blanche-Neige. Et voilà, évidemment, le quart avant en l'air. Quand t'es en pot, ça augmente la puissance du coup. Samy qui s'en sort bien. Samy qui met bien la garde et il punit direct avec le target combo. Et en fait, si tu fais le target combo jusqu'au bout, et là, ça désarme l'adversaire. Et c'est ça qui est la folie. Tac. C'est pas... Ah, c'est marrant parce que dans la capture, comme les barres clignotent, ça fait sauter les barres. Et c'est finalement un round partout. Ils vont aller jusqu'au bout de la nuit, et restez parce que derrière il y a un blind test sur les 10 Neo avec Monsieur Garcin, ça va être la folie du système de la vie. Et voilà, Amakusa, le Amakusa d'Oro pour l'instant, Samy qui se rue à l'attaque, ça s'est passé, ça passe et ça touche de la part de Oro encore, et tu vois c'est sûr parce que tu sais jamais si c'est devant derrière, mais c'est quoi ce coup pété, mais pourquoi c'est pété ce truc, Samy, voilà, cette fois-ci par contre s'il bloque, il peut venir, rate encore le combo parce que s'il fait ce combo jusqu'au bout ça désarme, il a regardé le décor qui change. C'est la tension maximum, et c'est quand même mieux que Ghost of Tsushima, y a pas à discuter, ça c'est la vraie ambiance. Puni par le pouah, ça fait tellement de dégâts ça, ce bas gros point, et voilà.
le Tsuba Mega Ishii là qui permet de, en retombant, de faire énormément de dégâts. Les deux, ils sont complètement à égalité. C'est la folie, la fin, c'est... Pouah, les dégâts. Oro, tu trouves la boule de Blanche-Neige. Mais, oh, il claque. Il claque pour faire le coup de la mort. S'il touche en frame perfect, il peut tuer. Ah, il a sauté. Oro qui a sauté. Le trophée est obtenu. Ah, ça va être compliqué. Et il revient. Mais pourquoi ils sont à égalité? Qui va? Samy. Oh là 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 là. Le mine jusqu'au bout. SS7, toujours pour le versus dojo, une dernière dédicace. Tu remportes la victoire. Bah, merci à vous, merci à tout le monde. Merci c'est tout mignon. Merci Euro d'être venu. Voilà, merci à tout le monde, ouais, c'était cool, merci. Merci, vous voyez la Neo Geo, on n'est pas obligé de dépenser. Bah, même si l'AES arrête quelque chose à part. Mais aujourd'hui, on peut en profiter au mieux sur PlayStation 4. Et Cocorico, c'est grâce à des Français, à Pixel Game. Je vous remercie, on fait une mini pause, mais ne partez pas. C'est le bouquet final de la soirée, le bouquet qui va tout craquer. C'est le blind test. Et pour ce blind test, il y a des lots. Eh, on est bien obligé de dire ça pour que les gens restent. C'est le blind test final, Neo Geo. Monsieur Garcin va venir se préparer, on fait une micro-pub et on y retourne.